Frères et sœurs de l'Église baptiste Adonai, chers amis de partout, la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est belle bagarre, oui, l'homme qui a chanté, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Ce n'est pas une journée de veine, ce n'est pas une journée de malchance, c'est la journée que l'Éternel a faite. C'est comme ça, petit bon Dieu, de vivre. Mais chaque jour dans la vie, c'est bon Dieu qui donne une nouvelle opportunité. Pour que nous glorifions lui, pour que nous témoignions pour lui, que nous travaillons pour lui. Très content encore aujourd'hui, soyez pour nous capables de saluer vous, ou même membres et croyants de l'Église baptiste Adonai, ou même amis nous, qui suivent nous un peu partout à travers le monde. C'est une bénédiction pour nous des gens aussi ponctuels que vous-même, aussi pleins d'attention envers nous-mêmes que vous-même. Et nous sommes sûrs que l'année passée, c'était une année de bénédiction pour nous-mêmes dans l'étude de la parole de Dieu. Et nous croyons que l'année ça encore, c'est va ça. C'est à ces programmes de questions et de réponses. Et comme on connaît, malgré ces questions que nous avons répondu, nous faisons référence seulement à la parole de Dieu qui vient nous une nouvelle opportunité pour étudier la parole avec nous-mêmes. Nous espérons donc que le programme aujourd'hui est capable d'une source de bénédiction pour nous-mêmes. On va partager avec les amis, on va parler de lui-même. Et on va inviter quelques-uns à mon tour pour abonner à la chaîne Adonai Baptist Church de telle manière que l'année 2023, capable pour nous-mêmes, pour moi-même, pour nous toutes, une année de bénédiction, nous concentrons-nous sur la parole de Dieu, les réponses que la parole c'est là, les bails à questions que nous gagnons. On va baisser tête nous d'abord pour nous prier. Ô Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, c'est toujours pour nous-mêmes un plaisir, mais aussi un honneur. Pour nous rapprocher nous de nous-mêmes. Toi, le Dieu de la création, mais aussi le Dieu de la réformation, le Dieu du renouvellement de toutes choses. C'est à cause du travail de renouvellement, ça, Seigneur, qu'on fait pour le monde qui croit en nous-mêmes, que nous devenions ça que nous sommes par Jésus-Christ. Et à la suite de Paul, nous a dit nous faire la paix avec nous-mêmes, nous justifier par la foi, et par voie de conséquence, pas gagner aucune condamnation pour nous-mêmes. Parce que nous, dans Jésus-Christ. Mais nous, Seigneur, qui avons approché nous de parole en quoi soit, pour nous bailler à plusieurs auditeurs, nous, aux téléspectateurs, nous, réponses à questions que vous posez. Donc, on va opérer pour nous-mêmes et pour nous-mêmes un travail de clarification de parole au Seigneur, d'inspiration. Et on va permettre donc, avec nouvelles connaissances qu'il va acquérir dans la parole, par réponse que nous avons eu à la question que vous posez, nous capable de meilleurs témoins pour nous-mêmes, de meilleurs serviteurs, de meilleures servantes, de meilleurs porte-paroles, de grâce, de amour et de miséricorde. Côté prière, nous assurons, Seigneur, exaucez le bon nom du haut du ciel là, parce que nous adressons là nous-mêmes. Dans le nom petit de Jésus-Christ, sauveur-nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, comme nous disons souvent, nous avons une banque de questions. Questions que vous voyez, que vous laissez sous répondre à l'église là, questions que vous voyez par email. Vous pouvez faire ça soit à tôt et au fur et à mesure que nous allons recevoir des questions, au fur et à mesure, le programme nous a bien longue vie parce que c'est un programme de réaction à questions que vous proposez sur la parole de Dieu, sur les relations humaines. Vous pouvez avoir une question, j'en lis sur l'écran là, ou bien à téléphone l'église là, ou quitter message là sur le répondeur là, 305 758-1001, ou bien ouvrez le bon par email, adonaibaptiste@adonaibaptistchurch.com. C'est un plaisir pour nous répondre à la question parce que vous permettez nous-mêmes tout pour nous retourner à la Bible, retourner à données que nous apprendre, ou bien que nous conserver sous relations humaines pour que nous capables des pistes de comportement et de réaction. Donc, libéné au programme d'en libéné nous-mêmes tout qui fait, et nous espérons qu'il va consacrer encore pendant toute l'année 2023, quelle que soit la question qu'on vient sur la Bible, sur la relation monde, mari, madame, parent, enfant, voisin, l'homme avec l'homme en général, qu'on va poser et avec la parole de Dieu et sur la base de l'expérience humaine pour la question qui traitait de rapports humains. Ou bien référence à sciences sociales, nous va barou des réponses que nous sûrs que bon Dieu a d'accord avec nous-mêmes et réponses qui va guider nous dans la vie. Nous presque connaissons que tout le monde qui suit le programme, si là régulièrement connaît le thème programme, c'est dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15.
que nous appelons pour encore soyez, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ah, c'est 1 Pierre 3, verset 15, c'est le même que nous lisons chaque semaine comme thème pour programme qui s'appelle Pierre dit nous là. Pierre connaît que grand pile monde qui dit de vous quoi, ou a besoin de chercher à comprendre, et obéir quoi, mais c'est pas ça Pierre dit. Pierre dit que nous-mêmes, nous là, non seulement comme croyants, mais comme monde qui doit répondre à la question que monde pose, bah, explication sur l'espérance qui est dans nous-mêmes, non? Et nous le faisons avec douceur et respect. Pas quoi que parce qu'on gagne la vérité absolue, c'est-à-dire Jésus-Christ, on est capable de bousculer au monde, les poser une question, ou bien répondre Jean que vous voulez. Non, apôtre l'a dit, c'est pour nous, bye, raison de l'espérance qui est dans nous, avec douceur et respect. C'est donc démarche cela que nous tentons dans le programme cela. Il y a des gens qui disent quelques paroles très sévères, les a posé question, mais ils le voient nous pour nous répondre avec respect. Et nous espérons qu'au même temps, on va gagner une argumentation nécessaire, non seulement pour nous-mêmes, parce qu'on a besoin de comprendre Dieu, comprendre parole mieux, comprendre voile, mais en même temps pour capable aider les amis ou parents à mieux comprendre certains aspects de la parole de Dieu. Avant d'entrer dans but programme à soya, réponse à question, nous attendons un chant spécial que Sœur Marie Obia, un leader dans l'église là, une chanteuse tout, qui a une très bonne voix de soprano. Sœur Marie Obia a pu chanter pour nous. On nous donc tendait chanter là à la gloire de Dieu et pour édification.
Marie Robillard pour cette magistrale interprétation que le banon de chant Oui, je veux te bénir. Bon Dieu, méritez donc que nous bénirons, que nous glorifions nos lits, matin, midi, soir, que nous proclamer et merveiller lui-même qui guérit toute maladie. Encore une fois, un grand merci à Sœur Marie Robillard de l'Église Baptiste Adonai. Coulons nous passer à la question. Première question, Pasteur Valsin, puisque nous connaissons bon Dieu changer méthode dans la relation liée avec l'homme depuis la résurrection de Jésus-Christ, est-ce qu'il continue de faire miracle dans le temps pas nous? Et réponse à la question, ça, c'est oui. Mais avant de faire un petit bac, pour nous dire que ce n'est pas depuis la résurrection de Jésus-Christ seulement que bon Dieu changeait méthode liée dans la relation avec nous-mêmes, histoire de relation bon Dieu avec l'homme. Divisé en plusieurs périodes que quelques théologiens ont les dispensations. Donc, Jean-Bon Dieu agit en période de la conscience, après, je suis le premier par Noé, c'est pas comme ça l'agit, en période de gouvernement de Noé par même Jean, dans la période de la loi avec Moïse ou bien de la promesse avec Abraham. Mais le Dieu que l'observia, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ou pas tant des bons dieux qui ont fait bruit, l'homme bon, bien cap paraître visiblement à quelques monde sous forme de personnes qui sont capables de voir, on dit aux personnes qui sont capables de voir pour le paraître à eux-mêmes, pour le parler à eux-mêmes. Mais bon Dieu, agir toujours. C'est le Dieu de l'action, le Dieu du ciel. Jean ayant penseur t'a écrit, il dit le Dieu du ciel, c'est le Dieu qui agit. Et c'est ça qui fait que moi-même, avec vous-même, qui croyez, nous continuer à être attachés à bon Dieu cela parce que l'a agi, je dis à Jean de qu'on fait autrefois, excepté que, ou pas lui aussi visiblement, ou pas mais lui aussi visiblement, mais la main de Dieu dirige l'histoire, la main de Dieu sous la vie de petite livre. C'est avant et encore, m'a parlé avec un monde qui a expliqué comment l'été n'ayant voyage pour travailler au Liban, en période de très grande difficulté, et puis, il y a un groupe de monde passé, il a tiré à gauche à droite, et puis pour une raison que le pas même, il veut comprendre. Et directeur de mon capillot de taxi a venu passer, et puis mon a été carrément le baril. Et à partir du moment que mon a baril, tout le monde qui a tiré au vin cesser le feu, parce qu'il y a présent de directeur de compagnie que vous connaissez. Voilà, ça c'est miracle. Ah, c'est miracle. Donc, bon cas comme ça que nous sommes capables de citer, côté bon Dieu intervient de façon visible et au nom de toute puissance liée, au nom de ça que l'Ancien Testament et David particulièrement, il est la droite de l'Éternel. Donc, lorsque dans cette situation-là, vous reconnaissez que c'est bon Dieu qui saute agit et vous dit réduire, même lorsque vous êtes en douteur, vous réduire à dire, comme les enfants d'Israël autrefois, ça, c'est la main de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Deuxième question. Pasteur Valsin, j'aime comprendre la Bible. Dans Genèse 2, verset 7, moi, j'ai trouvé que l'homme a deux parties. Mais dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Paul parle de trois parties, corps, âme et esprit. Est-ce que c'est une contradiction? Est-ce que c'est une influence grecque sur Paul? Ou bien, en général, côté vérité, aille sur ce sujet, ça, pasteur. Très bonne question. Là, nous lisons la Bible, Jean-Zan m'y en dit, la Bible a dit que bon Dieu soufflait dans l'homme et l'homme devenir un être vivant. Donc, bon Dieu fait ça une seule fois, quand il soufflait l'esprit dans l'homme et l'homme tournait un être vivant. Donc, à partir de Genèse 2, verset 7, Zan m'y a raison pour dire que l'homme a bien deux parties dans l'homme. Une partie, comme d'ailleurs, spirituelle, une partie corporelle. Partie spirituelle, là, c'est le souffle de Dieu en l'homme. La partie corporelle, ces parties-là, c'est squelette ça que bon Dieu fait avec poussière de la terre et qui corne. Maintenant, lorsqu'il vient dans le Nouveau Testament, certainement Paul a une influence grecque sur lui, mais pas ça seulement qui expliquait la déclaration de Paul. Et Paul a parlé de l'homme qui a plusieurs fonctions. Donc maintenant, l'homme, c'est là, qui corps et âme, ou bien corps et esprit, parce que très souvent, les mots âme et esprit sont employés de façon interchangeable dans la Bible. Eh bien, l'homme, c'est là qui gagne, il a fait même plutôt parler de partie spirituelle et partie physique ou matérielle. L'homme, c'est là qui quitte une partie matérielle qui est une partie spirituelle.
Parfois, partie spirituelle, c'est là, remplir fonction de l'esprit, dans la recherche, dans le contact avec Dieu. Et même partie spirituelle, ça, les remplir fonction de l'homme, au niveau de émotion, non, amour, non, haine, non, etc. Et dévouement, non, passion, non, etc. Maintenant, pour résumer ça, on va dire que, au cas répondre à une question, soit façon essentielle, soit façon nature de l'homme, et soit parler de nature de l'homme, l'homme, il y a deux parties. Une partie physique, une partie non physique. Une partie, c'est-à-dire matérielle, et une partie spirituelle. Mais par rapport à fonction, eh bien, cette partie spirituelle, parfois elle remplit fonction de l'homme, parfois elle remplit fonction d'esprit. Maintenant, comme Paul a parlé avec Mounio, il est dans tout être, non, dans toute sa nouille, c'est-à-dire fonction psychologique, fonction mentale, cœur, non, l'esprit, nous qui a fait recherche, non, non, qui siège, sentiment, non, que tout votre être soit conservé irréprochable, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. C'est ça Paul dit là. Maintenant, il faut que tout être, non, la fonction cœur, non, la fonction corps, non, la fonction l'esprit, non, la fonction non, non, capacité irréprochable. Donc là, on a parlé de fonctionnellement, qui j'en ont fonctionné, qui j'en ont rempli mission sous terre, ça. Donc on a dit que l'homme a trois parties jusqu'à quatre, si nous le mettez cœur. Mais là, on a parlé de nature, nous, essence, nous. L'homme a une partie spirituelle et une partie temporelle. Troisième question. Pasteur Valsin, après me sortir dans le séminaire, me fait 7 ans à travailler comme assistant dans l'église qui était dirigée par un ancien pasteur. Pasteur, ça dit ça, plutôt sous Bible, là, mais en même temps, ça, pasteur, moi-même, comme pas de pasteur, un chef, j'ai le temps, je vais prendre quelques cours de biologie parce que je devais faire médecine, tout, pour me voir comment je peux aider l'église là, dans le programme social. Je me servais pendant, comme pasteur assistant. Et dans la recherche que je fais dans l'école, je vais avoir une bonne question sur la foi. Et je vais dire au pasteur, je vais prêcher en chair là, je me dis que je vais même croire là-dedans. Est-ce que je dois continuer à faire travail ici là, comme pasteur, un pasteur qui est hypocrite? Cap dit bagaille, il n'y a pas quoi là-dedans, et cap touche la jambe. Ou bien est-ce que je dois bailler des missions moi, et prendre congé de ministère ça jusqu'à ce que tout bagaille soit clair pour moi. Chers amis, j'aime te répondre à ma question. Si là, c'est par une déclaration de Paul qui dit dans 2 Corinthiens 4, verset 13, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Il y a quelques pasteurs, je ne vais pas juger personne, mais il y a quelques pasteurs qui ont exercé ce ministère là. Alors, je ne dis pas quoi, non, mais sans une conscience claire de vocation. Presque, vous voulez quoi que vous pas appelé, ou bien que l'appel n'est pas aussi clair pour vous-même que vous avez espéré ça pour tout le monde. Dans ce cas-là, où est le fruit ministère là? Où est comment mon âge, où est la réaction? Mes amis, je vais dire tout que si ou pas quoi ça vous prêchez, mon avis nous est ça, transpirer, ou manquer de conviction, gagner l'option ou pas à l'aise. Et très souvent, jeune monde qui peut avoir maturité, qui apprend certaines vérités de la foi, peut-être par cœur, comme leçon, et qui exposé à quelques professeurs qui ont un esprit sceptique, qui ont une critique par rapport à la foi, ils sont troublés. Et l'homme troublé, ce n'est pas le meilleur pasteur que le capabier. Si vous ne pas quoi, vous ne pouvez pas prêcher bien, vous ne pouvez pas prêcher avec conviction. On nous dit même que, par exemple, que, ou tellement il y a un doute qu'on joue à prêcher, ou un professeur à côté, quoi dans lui-même. Mais coulière, même les vérités de la foi, qu'on t'apprend par cœur, parce que pour qu'on expérimente vraiment, on ne vient pas en mesure de proclamer avec la conviction qu'il faut. Donc, moi, je suggère, les amis, que la position, il y en a une position qu'on suggère, vous me trouvez le correct, même si vous n'avez pas d'émission, mais pour un congé. Via la prière. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, comme nous le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans chapitre 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Maintenant, on est qui passe, ce n'est pas seulement quoi qu'on a besoin de croire que bon Dieu existe, existait, ou son monde qui a besoin, ouais, même bon Dieu dans la tentation, ouais, même bon Dieu dans l'épreuve, de telle manière que l'on parle, ou pas seulement réciter, ou pas seulement parler de doctrine, moi, parle avec conviction, conviction de monde qui a rencontré bon Dieu personnellement. C'est pourquoi il vient en face de ça. Il tape bon qu'on prend un congé et voilà la prière. Et puis dans la prière, bon Dieu certainement a privé là ou même, parce que quiconque cherche Dieu le trouve. Vous me chercherez, dit-il, si vous. Vous me trouverez, excusez-moi, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et lorsque ça, mes bien-aimés, mon frère, vous avez une expérience qu'il faut, vous avez rencontré bon Dieu, et sur le chemin de Damas,
et le savoir avant mesure de dire comme Paul, ça m'a dit nous là, m'a parlé là, c'est m'a parlé de lui seulement, m'a parlé parce que moi, quoi, 2 Corinthiens 4, verset 13. Et prochaine question, quatrième. Pasteur, dans les États-Unis, il y a un pile juge qui bat femme raison sous mari, il est à un tribunal. Et comme c'est Américain qui a dominé le monde, il n'y a pas même pris en considération une approche qui a un rapport avec culture côté monde si là sorti. Parce que moi, je regrette nous dire que nous avons un bon petit temps sur le programme fait sur famille spécialement. Et je suspecte que vous semblez oublier culture haïtienne, non? Et chaque fois que vous parlez du conflit entre madame et mari, c'est ou bien vous prenez pour mesdames, ou bien vous baillez une solution qui semble une solution américaine, qui va marcher avec culture haïtienne. Est-ce que ce tribunal va défendre? Ou est-ce que c'est vérité Jésus-Christ? Ou à penser? Je me dis rapidement, pour la question par le bas, pour me dire que nous là comme porte-parole de Jésus-Christ. Je vais venir prêcher la culture haïtienne, je vais venir prêcher la culture américaine, je vais venir dire bagaille tribunal dit, je vais venir prêcher la parole. Maintenant, si vous voulez faire un petit bac pour nous parler de gens nous résoudre conflit nous la caille nous. Nous résoudre conflit la caille nous, non seulement dans la famille, mais dans la relation société en général, chef yo avec nous-mêmes, sous base, on est fort, on est faible. C'est-à-dire qu'il faut le parler très fort. Et avec menace, et puis c'est fini. Tout le monde écoutait. Maintenant, si c'est ça qu'on a eu l'approche culturelle là, et que vous opposez les approches américaines, et vous opposez l'approche que me servit dans le programme, non, qui d'après vous même plus américaine que biblique, je pensais que vous trompez vous énormément. C'est bon, on passe dans la Bible là. Et Éphésiens 5, verset 22. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Mais il dit plus tard que Marie adorait, mais madame, mais pas ça, me voulait pas aller, non, je voulais prendre verset 21, verset 20 et 21. Côté Paul dit, nous rendons grâce à Dieu en toutes choses, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, verset 21. C'est un passage que très souvent, pasteur pas parler de lui-même, et comme vous en avez parlé de culture, probablement pasteur haïtien surtout, pas parler de lui-même, vivant en Haïti. Qui ça verset ça dit? Oui, après le monde à qui bon Dieu parle d'autorité, mais qu'on déjà avec l'amour. Mais avant Paul aborde aspect là, il dit soumettant, le monde soumettre l'un à l'autre, chrétien soumettre l'un à l'autre, il dit ça que nous relais, je dis à négociation. Négociation n'a pas rien à voir avec Haïti, la France, les États-Unis, le Canada. Négociation, c'est exactement technique de rapports humains que nous devons utiliser avec boss nous, avec employé nous, avec voisin nous, avec voisine nous et beaucoup plus avec mari nous et madame. Nous remarquons moi-même, par exemple, comme pasteur longtemps, bien quelques monde dans l'église, moi je vous dis que l'autre monde qu'on présente est mieux comme monde qui est esclave madame. L'aime de fait un rapport avec eux, l'aime une suivant pile. Et je viens de découvrir que ce n'est pas ça du tout. Ce sont des gens qui citoyens de paix, qui ont procuré la paix, genre Jésus-Christ nous pour nous procurer la paix, et qui traitaient problème la caillou avec madame yo, avec Timounio qui majeur tout, sous base négociation. Et tout le monde va qu'on fait négociation, c'est là où même avec petit, nous avons un problème. Il y a quelques parents, par exemple, qui va comprendre que ça veut dire qu'à 10 petits garçons, petites filles à l'âge de 7 ans, 8 ans, on va quand même présenter le même bagage là lorsque lui a 25 ans, 26 ans. Et si par une coïncidence, il était là quand même toujours, à cause qu'il soit malade, il n'a pas de travail, mais les petits mouns sont grands mouns, grands mouns pas, grands mouns qui sont ensemble, mais c'est un adulte. On va le traiter avec moi ça sous base négociation. Donc, moi, pour prendre, pour me dire négociation n'a rien à voir avec la culture haïtienne, américaine, espagnole, française. C'est moyen que mon Dieu mettait pour nous-mêmes, pour nous vivre dans la paix. Donc, les amis, je vais prêcher à faire tribunal, je vais prêcher à faire culture américaine. Nous enseignons technique de rapports humains, et rapports humains avec deux mondes qui ne pièsent pas la vérité absolue, puisque nous tout à traiter sous base nature humaine, qui ont nature pécheresse, faible. Puisque c'est comme ça qu'on a traité, négociation, c'est meilleures armes que nous devons utiliser dans le rapport, l'un avec l'autre, mari, Adam, parents et enfants adultes. Cinquième et dernière question. Pasteur Valsen, dans une étude où tu as fait sur famille, dans l'année passée, où tu as parlé d'un frère dans l'église qui a 75 ans et qui est marié avec une jeune soeur de 27 ans, et puis tu as vu un problème, il semble qu'on t'ait dit que ces différences-là, qui deviennent un problème,
Mais c'est pas penser à piège que Satan vous voyez sur route toute petite bon Dieu. Ou pas penser parce que l'amour qui sortit dans bon Dieu avec la prière, car il résout tout problème dans le mariage, même lorsque vous avez une grosse différence l'âge. Et les amis, nous connaissons, c'est le prédicateur nous y est, nous connaissons bon Dieu fait tout bagage, nous connaissons la prière son clé. Jean l'apôtre Jacques dit, la prière fervente du juste, dit pile puissance. Mais en même temps, il nous dit ça souvent en chair, bon Dieu, pas vous, personne, pour, parce qu'on est le tout puissant, parce qu'on est le café tout bagage, parce qu'on prie, il n'y a pas personne à le camper sur 95 là, coucher. Elle couchait dans 95, j'ai fermé, et puis dit, bon Dieu, je suis puissant, on va quitter la machine frappée. Machine frappée, oui. Mais c'est comme ça tout dans le mariage, amis. Nous ne connaissons pas le mariage, nous ne connaissons pas. C'est déjà une gageure, une responsabilité que nous prenons. Sous base parole, bon Dieu, nous marions avec monde que nous ne connaissons nous ne grandissons pas les mêmes gens, nous ne grandissons pas les mêmes chromosomes, nous ne pas les mêmes éducations de famille, nous différentes personnalités, ça apprend à parler à vivre avec l'autre. Maintenant, apprendre à vivre avec un monde qui est dans une génération déjà très difficile. Apprendre à vivre avec un autre monde qui a 25-30 ans en plus. Lui. Ça, mon frère, c'est réellement chercher compte. Et Jésus qui dit Satan, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tenter bon Dieu, c'est lorsqu'on mettait bon Dieu, l'on met tête ou non situation difficile, et vous dit bon Dieu pour les agir pour vous-même. Pas aucune possibilité, mon frère, pour qu'un monde qui a 75 ans, qui est marié avec un autre monde qui a 27 ans, avec deux fois l'âge, et il y en a l'autre, puis il y a la paix, parce qu'il n'y a pas le même problème, il n'y a pas la même vision du monde, il n'y a pas la même saison dans la vie. Hein. Ça, c'est réellement chercher compte, et nous ne pouvons pas faire chercher compte si là, avec ça, pour nous laguer sur le dos bon Dieu à la prière, ou bien penser que l'amour, c'est un panacé, l'amour pas un panacé, c'est-à-dire un remède passe-partout. Donc, puis l'autre bagage qu'on a besoin de mettre dans l'amour pour que le caillou fonctionne, il y en a, c'est pas ta une différence d'âge de 30 ans, 25, 30 ans, 40. Nous sommes très contents, chers amis, pour nous essayer de répondre à certaines questions que vous posez. Donc, quoi que nous avons aide avec la grâce de Dieu, avec l'aide Saint-Esprit, mon Dieu. Et nous croyons que nous avons assez pour que vous capable au moins, sous base de problème, si là, vous avez une façon pour comporter. Nous remercions une fois de plus pour attention au programme aujourd'hui. Et nous espérons que non seulement on t'étendait pour le partager, ça va prendre avec les amis, pour le discuter et de point de vue pasteur Marie, pas oublier pas point de vue pasteur Marie, point de vue pasteur Marie, voilà, qui tirait de la Bible, il tirait de l'expérience des uns et des autres, il codifiait dans le livre de counseling ou de psychologie. Mais non seulement pour le partager ça avec eux-mêmes, mais pour l'inviter ou pour abonner à la chaîne Adonai Baptist Church. Lorsque vous faites ça, amis, eh bien, nous avons une possibilité pour nous mettre l'autre programme par semaine, parce que nous voulons couvrir et mardi soir et jeudi soir. Comment vous allez faire ça? Il y a pris son téléphone ou son computer, il clique sur YouTube, et depuis vous cliquez sur YouTube, il écrit Adonai Baptist Church, il y a une flèche là qui est à côté de mon subscribe là. Lorsque vous cliquez sur lui, eh bien, automatiquement, vous avez accès tout le temps à la chaîne Adonai Baptist Church, même lorsque nous avons fait une correction dans l'église là. Nous avons fait une technique depuis nous. Et dans l'air, ou après dans l'air, tout, on connaît qui ça n'a pas fait. Ça arrivait plusieurs fois, mon gars, il dit, pasteur, moi, t'es dans l'air, son chant, t'as chanté. Oui, il a fait réparation, il a mis quelques chants, quelques musiques. Et si vous abonnez à la chaîne, vous avez accès à toutes les marches. Mais non seulement vous avez accès à vous-même, mais le fait que vous ayez l'autre monde vient abonner lui-même, eh bien, Jean-Lapoteau Jacques dit, on va permettre au monde qui est égaré dans le chemin de la vérité. Et pas avoir de conséquences, couvrir une multitude de péchés. Encore une fois, merci chers amis. Pas oublier, pour l'instant, nous avons un programme seulement lundi soir 9h, mercredi soir 8h et vendredi soir 9h. Nous espérons qu'il y ait deux autres programmes très bientôt avec aide quoi bon nous lorsqu'on fait nous joindre quelques autres abonnés. Dans l'espoir que nous allons rencontrer lundi prochain pour le programme de méditation au soir 9h. Nous prions que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir.